Bonjour les amis et bienvenue dans ce carnet de voyage spécial Égypte partie 3. Aujourd'hui, nous allons visiter la pyramide rouge et la pyramide rhomboïdale, ainsi que une petite visite de l'Égypte. Voilà, je vous souhaite une excellente vidéo. Drôlement bien accueilli, mais bon, à chaque fois, leur monnaie, le cœur du pays. D'ailleurs, restaurant de la région, normal, il y en a deux. Et c'est super bon. Falafel, du riz, et plein de trucs sympas. Ah, attends, regarde. Rouge, celles qui sont le guano, l'ammoniaque pour les infimes. A tout de suite. Regardez-moi cette beauté. À l'échelle humaine, ça c'est un humain. Il y avait énormément de vent sur la plaine, ce qui fait que vous ne m'entendez pas. Alors je rajoute cette petite voix off pour vous montrer le petit pyramidion qui a été rajouté, ainsi que la pyramide rhomboïdale que nous allons visiter, et le parement entièrement d'origine de cette pyramide rouge, pyramide en calcaire. Et voilà la petite montée de la pyramide. Montée tranquille. À quoi cela ressemble? L'air de rien, ça grimpe. Amis fumeurs, abstenez-vous! Le pauvre, il est claustrophobe, il voulait pas rentrer. Tu m'oublies. C'est beau là. Le désert à perte de vue. Qu'est-ce que c'est beau. Sam, viens. Ouais, ouais, ça va. On se rejoint dedans. Allez, nous attaquons la descente. Alors, c'est très exigu. La moitié, t'attends. Voilà. Hop. Donc, a priori, il faut se tenir au rembarre. Ouais, moi, je suis trop grande avec mes grands bras. Oui. L'avantage d'être petit, on ne le dit jamais assez. Ouais, c'est ça. On a du mal à attraper le chocolat sur le placard, mais on passe partout.
Je vous laisse regarder la technique de ma consoeur. Il y va à reculons. C'est structure, c'est chaud. Ok. Merci. No problem. Hello. 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 Morning. Alors que nous sommes encore dans la descente, nous croisons des gens qui montent et qui descendent. Non, parce qu'à l'envers, tu perds tout ton repère. Ouais. Bah, disons qu'à l'envers, t'as l'impression de monter, quoi. Bah, ouais, c'est ça, hein. Mais à l'envers, en fait. Sueur des gens. Alors que nous sommes encore à 1 minute 40 de descente. Le record du monde ne sera encore pas battu cette année. Ah bah non, on voit rien du tout dans l'autre sens. Alors, je vais retourner la caméra. Avec ce plafond. Ça descend encore. Ouais, ça descend encore. Le pire, c'est qu'il faut descendre, il va falloir remonter. Ben, c'est ça, ouais. Alors, revoici le sous-préfet. Si t'as la ref, mets-le en commentaire. Ça va. Ceci dit, au passage, je vous présente Christelle. Christelle qui est très habile. Ça la chaud. Et plus on descend, plus il fait chaud, c'est vrai. Alors qu'on aurait pensé le contraire. On est arrivé. Attention ta tête quand même. Ouais. Ta tête là, ouais. Moi, tu es arrivé. Tu peux lever la tête. Ouais. Alors que derrière moi, ça galère. Ouais. Hey, ça va ? Il y a une grande marche, ouais. Je me suis tourné au mauvais moment. Ah. On peut se redresser ? Ouais. Vas-y. Qui c'est qui a pété ? C'est magnifique. Avec évidemment les tags habituels. C'est moi, je suis désolé. Hop, moi celle-ci est dans la poche. Si, c'est mon cerveau. Rien d'important. Toujours les graffitis. C'est une hauteur de plafond démesurée. Hop. Je monte les petits escaliers. C'est vrai, vous avez raison. Voilà. Hop, c'est barré. Donc, structure en bois qu'à l'époque, hein, évidemment. Quelle hauteur. C'est un privilège d'être ici, je ne vous le cache pas. Toujours ces espèces de graffiti au plafond, je trouve ça pitoyable. Oh, il y a écrit Lolo. Et voilà la chambre haute. Bienvenue dans
chambre haute, oui. Voilà. Là, on redescend, ça y est. Profiter du moment. Ouais. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine. Moi, ce qui me fascine, c'est vraiment la taille énorme de ces blocs, quoi. Et puis la jointure inexistante. Comment on rentre et comment on sort d'une pyramide ? En se baissant. Alors par chance, si je tombe pas, moi ça va, normalement je ne suis pas trop baissé par rapport aux autres. Voilà. Comment je suis, alors que les autres sont tous comme ça. Petite marche sur laquelle je suis tombé. Hello. Bonjour. Voilà. Ah oui. Attention, faudra bien se baisser, dit-elle. Alors que les enfants sont déjà descendus, voilà. Les parents les arrivent. Eux, ils arrivent à être presque droits. Oui, c'est une chance. Alors, voilà, je vais me mettre l'horizontale. L'horizontale, c'est ça. Il y a quand même... C'est plus 30 ou 40 degrés. Hein. Alors que je suis déjà attendu par les paparazzi. Oh mon dieu, un paparazzi chinois. Là qui va encore me demander des yens. Ni hao. Ni hao. Tchè tchè. $100, please. $100, c'est pour sourire mon père. Eh oui, toute la matinée pour les photos. C'est ce qu'ils disent pas sur les cartes postales. C'est qu'effectivement, on demande énormément de bakshish. Alors que revoici le sous-préfet. Effectivement, ça grimpe. Mais j'ai l'impression d'avoir mis moins de temps à monter. Oui. Alors que voici les fameux extincteurs égyptiens. Voilà. Mais cette magnifique pyramide, tout de même. Oh, je vois la lumière au bout du tunnel. Merci, merci. C'était bien? Oui, c'était bien. Merci. Ici la pyramide de Romboidal, magnifique structure. Aller visiter tout ça. Avec un mastaba.
littéralement impressionné. La finesse du mouvement, c'est magnifique. C'est parti, nous allons rentrer dans la pyramide rhomboïdale, mais pour ça d'abord les escaliers, les fameux escaliers. Allô ? On est dans un décor, mais pas artificiel. Vous allez descendre, vous arrivez dans une première pièce, il y aura un escalier contre la paroi très vertical qui vous permet d'arriver dans la seconde pièce, celle-ci, et c'est au milieu de celle-là que vous avez l'escalier qui monte vraiment en plein milieu à la verticale. Et ensuite vous aboutissez à un boyau, donc c'est là que vous allez crapahuter à quatre pattes, vous allez monter sur 5-6 mètres et ça va aboutir sur un couloir. Et vous tournez à gauche, parce qu'à droite c'est condamné, et à gauche ça vous fera arriver sur la dernière pièce, toujours en encorbellement, avec des bouts de bois d'origine. Attends, bouge pas. Nous avons à nouveau des escaliers. On ne voit pas bien parce que j'ai malheureusement laissé de batterie. Bon, je vous passe les escaliers parce qu'il n'y a rien de bien exceptionnel, on se retrouve là-haut. L'air de rien, cette pyramide, il fait chaud. Il fait plus chaud que dehors. Un peu humide aussi, on a du mal à respirer. Il y a énormément de monde. Alors la descente était plus longue que l'autre pyramide que je vous ai montré en entier. Celle-ci, ça aurait été vraiment stupide de vous la montrer. Là, les escaliers, c'est pareil, sont plus hauts. Il y a beaucoup de passages. Allez, encore par en haut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur à l'échelle humaine, la hauteur de cette chambre. La première chambre, sachant que cette pyramide en compte 3. C'est très, très haut. Voilà. Thank you. Très sombre dans cette galerie. Malheureusement, on va pas voir grand chose avec ce téléphone. Je vais devoir changer de téléphone. Alors voici la galerie qu'on va emprunter. Donc on se retrouve de l'autre côté.
J'aurais dû prendre la lampe poche. L'avantage d'être petit, c'est que à mon voisin, je n'ai pas besoin d'être à quatre pattes. Voilà. Hop. Attention, ça glisse un peu. Et puis attention la tête. Ah ça y est, on retrouve de la lumière. Avec cette structure de pyramide. Assez étrange. Voilà. On retrouve les fesses des gens d'avant. Et puis, la surprise, à droite, c'est bouché. Et du coup, nous allons partir sur la gauche. Alors, ton impression ? Ouais. C'est génial. Pas physique. Ouais, hein. On sent le repas du midi. Alors moi, encore une fois, j'ai de la chance parce que... Est-ce que je passe comme ça? Alors, ah non, ça va, monsieur. Passe pas. Merci. On avait revu la marche. Surtout, souris ici. Vous avez vu des chauves-souris? Ouais, de ce côté. Ah oui. Et il y a Batman. Nous sommes dans la Batcave. Profitez de sa lumière. Donc, les pyramides sont encore habitées, finalement. Oui. Ah, surprise, un escalier, ça faisait longtemps, tiens. On a vraiment l'impression d'être dans une grotte en fait, il n'y a pas du tout une structure humaine. C'est ça qu'il faut. Bon, allez, je me lance. Oh, les escaliers sont penchés. Penchés ici. Oui. Même nous. Ah bah là, oui. Ça va, Michel? Ouais, ça va, c'est chouette. Hop. Notre ami Michel en bas. Après on est en haut. C'est les dernières marches, Michel, c'est les plus dures. En plus on a la place pour nous. Ils sont tous allongés sur les escaliers. Les plus courageux en premier comme toujours. Ah, je les ai vus voler. Can you put the lights of a bat? Thank you. Merci. De rien. Voilà, t'as vu les... La queue? Ah oui. Tout à l'heure on a fait la montée, là je vous présente la descente, c'est un tout petit peu rude quand même. C'est chiant parce qu'on a fait que des culs. Ah c'est pas faux. Ah, j'en profite, petite vidéo, les personnes, pour montrer la descente. Alors que nous ressortons de la pyramide. Après moult échanges de bonnes blagues, hein. Heureusement c'était hors caméra, je ne veux pas de problème avec la police. Voilà. C'est ça, c'est pour ça que je ne veux pas de problème avec eux. Choukran, choukran.
Alors que revoici le sous-préfet. C'est bon, Jean, c'est fini. Eh ben, c'est une très belle expérience. Yes, good.